C'est vrai, hier, nous avons déploré deux cas des inciviques qui ont réussi à arracher deux motos du côté des Kanangadé en se rendant vers le collège Saint-Louis et l'autre du côté Ofida. Alors, cette situation, elle est déplorable parce que nous avons déjà pris des dispositions quant à ce. Vous allez vous rappeler que nous avons pris un arrêté au niveau de la mairie interdisant la circulation des taxis motards autour de 20 heures. Mais malheureusement, le constat est amer. Nos jeunes gens, les chauffeurs de taxis motards, n'obéissent pas. Ils ne veulent pas écouter. Et voilà maintenant les conséquences. Maintenant, le monsieur est à l'hôpital général pour le soin. Et les motos disparues, bien sûr. Et là, je vous informe que les services de sécurité sont en train d'investiguer pour identifier ces civils qui ont réussi à arracher le moto de nos jeunes gens. Nous avons tenu encore une réunion ce matin avec les services de sécurité pour que l'on renforce, pour que l'on mette ces mesures-là en application. Voilà un peu ce que nous avons fait. Il ne va pas me revenir, moi, de sortir à 20 h pour commencer à aller arrêter les motards. Non. Nous sensibilisons nos jeunes gens. Nous leur demandons, c'est pour leur bien. C'est pour leur intérêt. Comment vous pouvez vous imaginer vous transporter deux personnes au niveau de El Michel et on vous dit, accompagnez-nous à Kamboté. Mais la ville de Kananga, il n'est pas éclairée partout. Là où on vous amène, c'est noir et on peut faire tout. Alors c'est comme ça que nous recommandons aux taxis moto de respecter les mesures qui sont prises.